Mes amis, comment nous y est? Frère Maxime Cap vive en République Dominicaine, comment nous y est? Tout compatriote Cap vive en dehors Zilea, comment nous y est? Jodi a la m'pote yon vidéo pour nous. Moi-même, les map jambé sous frontière. Ma vive sainement, moi saisi. Parce que depuis l'aime qu'on est ma fait reportage sous frontière, c'est première fois dans Wanamet d'Ahabong, qui c'est un point frontalier qui pi connu et qui plus gain activité là-dedans. Moi ouais côté dans un seul passé 5 gros camions immigration débarqué sous frontière pour capable mettre dehors compatriotes qui au Kembe dans tout nord en République dominicaine pour déporter yo voyer la caillou. M'pat même mal filmer mais l'aime sennan dès que me toujours gen caméra me sou moi me dit hey m'pa ka quitter ça passer sans que m'pa montrer tout monde k'ap supporter plateforme ça que me toujours ap di yo mais comment compatriote yo ap vivre en République Dominicaine me dit m'pa ka pa filmer pour montrer nous scène ça getan gen un premier camion qui getan débarqué côté qui t'a envoyé moun sa ou la kayo. Ça son deuxième camion qui parking ni et gen l'autre toujours k'ap tann parce que c'était environ 5 camions en même temps qu'al débarquer compatriote sur frontière moun illégal qui ont ramassé en République Dominicaine ti moun grand moun jeune garçon jeune femme enceinte femme gros ventre et même femme nourrice pas gen moun ki epani. Et jodi a mwen gen yon zanmi k'ap travay nan OIM ki fèm jwenn yon enfòmasyon ki nou pral etonne. Chak machin sa yo ki yo ale avèk yo ajan imigrasyon gen yon list nan men yo ki indike ki kantite moun ki nan machin nan. Men malerizman yo pa konté ti moun yo nan lis sa. Gade bien mes amis comment ap lagué a fè moun yo a tè. Moun ki gen valise nan men yo, moun yo pran nan la ri, moun yo pran k'ta pral travay, moun yo pran peut-être ki t'a flané. Tout moun sa yo pa épani. Gade bien. Gen moun noue k'ap passé à côté camion, c'est moun ki te sorti nan marché binational là, nan marché frontalier. Mais tout le monde qui a descendu dans la machine, c'est le monde qui a Kembe, qui a déporté. J'ai l'impression que si je suis campé pour me filmer chaque camion, nous avons que chaque camion a plus de 100 centaines haïtiens dedans. Donc, ça dit pour déporter. Mes amis, compatriotes qui vivent en République Dominicaine, ça a sorti Haïti pour aller chercher la vie. Si nous ka légaliser tête nous, légaliser tête nous. Songez me dit dans émission. Gen un président gen pour monter après monsieur. Ou bien si monsieur continue sous pouvoir, bagay yo gen pour yo pi mal toujours parce que c'est première fois dans histoire République Dominicaine gen déportation massive comme ça. Ça n'a pas gardé là si jouet. Il y a environ 3 camions qui campaient toujours captain. Machine ça fin débarquer pour débarquer l'autre monde qui est allé avec de sous frontière. Donc capable valier parce que ça c'est dans République Dominicaine ça fait. Monde qui sorti Santiago, Monte Cristi, Mau Esperanza, La Biga pour le Plata. Gen moun nan machine ça qui gen même 15 jours depuis au prend
tout un voyage pour qu'au complet pour camion rempli, yo parler avec yo sous frontière. C'est ça que fait gen moun ki kon pense, gen moun yo ki mouri, ki perdi nan bagay sa. Parce que yo kon prend moun nan par exemple pour le Toblata, yo même fait moun nan monter capital, yo aller avec yo al lagé yo dans zone Elias Pignas ou bien l'autre point frontalier qui pi loin toujours. Tant qu'une histoire 4 messieurs qui ont pral boulé dans bois calé dans zone Belade. Côté tu lagé yo Elias Pignas tout minoté. Parce que tu as fait des ordres, tu as pas de bouquet, tu es capable de sauver Dominicain. Si l'on témoignage pas, tu prends comme mauvais jeu, mener investigation sous yo et puis mener sous frontière. Mes amis, moi étonné les moi ça 5 camions seul coup et puis tout dans matin tu gagne tant gagne. Ça veut dire pour journée ça, c'est 6 gros camions comme ça qui débarquent sous frontière à porter compatriotes yo aller. Dans jour régulier c'est 2 camions par jour, à la rigueur 3 camions. Mais lundi 10 juillet 2023, c'était 6 camions en un seul jour, yon nan matin, 5 nan après-midi. Légaliser tête nous, si nous pas arrêter dans pays moun, nous tourner dans pays nous ou bien aller en l'autre côté. Parce que c'est Saint-Domingue pi devant là le pape douce pour nous. C'était Alcino Leona pour Leona Show. M'a dit bye bye, à la prochaine. Partagez vidéo ça pour le retenir en archive. Demain si vous voulez n'gain politicien la caille nous qui va prendre conscience pour lever scamp figinou devant pays voisin. Nous pas qu'à dire qui ça pour faire, nous pas qu'à condamner, nous pas qu'à juger pays pour yo. Yo fait ça ou voulez là-dedans, yo mettez loi ou voulez là-dedans. Seul conseil n'ka bay compatriote mais qui voulait vivre dans quel que soit pays là, c'est légaliser tête pour pas prendre humiliation ça. Ke moun sa ou ki nan kamyon sa ou pran, kote ou depote ou, tank ou bet, mete ou nan kaj, pou al lage ou sou frontiya. Bye bye, à la prochaine.